Yo les gars, c'est Ensio, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors dans cette vidéo, petit défi très sympathique. C'est la quatrième fois qu'on le fait, mais il y a en même temps celui-là. Donc si jamais c'est le même défi et qu'il se valide deux fois, eh bien vous verrez cette vidéo en double. Donc si jamais vous voyez cette vidéo pour ce défi-là et que vous la voyez pour ce défi-là, eh bien c'est tout simplement le même défi. Évidemment, tous les défis sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et donc je vous explique. En gros, quand vous allez finir ce défi, ça va faire tous vos défis didacticiels. Et donc, quand vous avez fini didacticiel des renforts, vous allez débloquer cette quête. Je vous explique un peu mieux. En gros, sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir toutes les étapes de ce didacticiel des renforts. Donc, vous allez tout voir sur ma chaîne YouTube. Et quand vous allez avoir tout fini, vous allez débloquer ce défi-là. D'accord? On va lancer la partie en attendant. Et je vais vous expliquer tout ça en détail. On n'oublie pas le code créateur NSQ avant de lancer une partie et d'acheter un pass de combat. Ça me soutient énormément et ça évite de mettre des codes créateurs très très connus. Moi je suis tout petit, donc c'est carré. Hop. Let's go pour la petite partie. Et puis voilà, hein. Petit pass de combat, code créateur NSQ, moi ça me ferait très plaisir. Et puis le défi, je vais vous en parler en détail. Parce que j'ai peur que ça valide les deux en même temps. C'est pour ça que je vous explique ça. Parce que, en gros, imaginez, je fais une vidéo pour un défi. Et que, sans faire exprès, il y a un deuxième défi qui se valide. Et bien, le problème, c'est que. Ben. C'est compliqué. Et donc, je peux pas faire une deuxième vidéo si j'ai déjà fait le défi. Vous voyez ou pas? Donc, c'est pour ça que si jamais je fais deux défis dans une seule vidéo, ça sera la même vidéo, mais avec un titre différent. D'accord? Donc, cette vidéo, vous la verrez peut-être en double. Ou peut-être pas, hein. Mais je pense que oui. Donc si jamais vous la voyez en double, c'est normal. Et puis si jamais vous la voyez pas en double, ça veut dire que ça a fonctionné. En tout cas, je raconte ma vie, il y en a, ils doivent se dire, mais je comprends rien, mec, qu'est-ce que tu me racontes? Donc voilà, je répète une dernière fois, parce que j'aime bien parler. Donc, quand on va faire ce défi, qui est le dernier du didacticiel, hein, d'ailleurs, ils sont tous sur ma chaîne YouTube, si jamais vous ne savez pas les faire. Donc là, on est en train de faire le dernier, les gars, donc si vous n'avez pas encore fini, vous êtes un peu perdu. Je sais pas ce que vous faites ici. Mais quand vous allez finir le didacticiel des renforts, vous allez déverrouiller cette quête. C'est pour ça que je vous le dis. Pour déverrouiller les quêtes là, il faut finir toutes celles-là. Voilà. Là, j'ai été très clair, hein, franchement. Si vous avez toujours rien compris, regardez la vidéo dès le début. Et puis le petit pouce bleu, ça vous aide à comprendre, évidemment. Pourquoi j'ai un skin Bambi? C'est parce que c'est mon compte secondaire. Eh oui, ah là là. Parce que j'ai déjà fait tous les défis sur mon compte principal pour vous trouver les meilleures astuces. Parce que si j'allais les faire directement sur ce compte, vous vous doutez bien que déjà j'aurais plus les défis, ils auraient disparu. Et ça aurait été quand même très très embêtant. Donc bon, comme ça au moins c'est comme si je recommençais un nouveau compte et que j'étais un abonné. Là je suis comme vous, j'ai pas fait le défi et on le fait ensemble. Et sans montage évidemment. Pourquoi sans montage? C'est très simple. Parce que, voilà. Parce que c'est moi qui décide, non je rigole. Non, c'est parce que comme ça vous voyez que les défis sont faisables sans faire de pause. D'un coup, voilà. C'est ça que je cherchais les mots. Le défi est disponible d'un coup, voilà. C'est-à-dire que si je le fais en 4 minutes, vous pouvez le faire en 4 minutes. Il n'y a pas de montage de 1 heure et tout, d'arnaque. Moi, c'est direct. Donc voilà, le petit skin Bambi. Et puis pas de montage. D'ailleurs, on va faire un petit easter eggs. Si jamais vous voyez cette vidéo, ce sera peut-être l'une des seules vidéos où je vais parler autrement. Parce que vous savez, dans toutes les vidéos, j'ai à peu près le même discours. Ce qui est normal, hein. Imaginez quelqu'un qui regarde la vidéo numéro 3, il va peut-être pas voir la vidéo numéro 4. Donc c'est pour ça que j'ai le même discours dans chaque vidéo. Mais c'est vrai que si quelqu'un les regarde toutes, il va se dire, putain, le mec il fait que de dire les mêmes mots, les mêmes phrases. Bah oui les gars, je suis obligé. J'essaye de changer un petit peu les phrases de temps en temps, mais j'ai pas le choix, vous en doutez bien. Donc là voilà, cette vidéo c'est un petit easter eggs, si jamais vous entendez ce message secret. Et donc, on va attendre le défi, vous allez voir, qui est très simple. Il faut tout simplement attendre, voilà. C'est pour ça que moi je campe, parce que ben, j'ai pas envie de me faire tuer. Imaginez, vous voulez faire un défi, vous vous faites tuer. Oh, c'est chiant. Donc bon, on campe, on campe. Let's go, let's go. En tout cas, ça va être le dernier défi de ce genre. Parce qu'ils m'ont un peu énervé, je vais pas vous mentir. Les défis comme ça, oh là là. Donc je suis très content de pouvoir faire des nouveaux défis juste après.
parce que celui-là, je l'ai fait 4 fois, je peux vous dire, il est embêtant. Hop, en tout cas c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh, je vous ai pas montré. Oh, je vous ai pas montré. Vite, vite, vite. Paramètres, les touches, vous descendez, vous montez un peu au-dessus de créatif, entrée de renfort, ouvrir le choix de renfort, et là vous changez la touche. C'est très important parce que c'est pour faire le défi que vous allez devoir faire ça. Parce que de base c'est une touche anglaise, le petit 7, et il faut faire Windows espace pour mettre votre clavier en anglais. Mais vaut mieux pas, hein. Vaut mieux pas les gars. Vaut mieux juste changer la touche. Et vous pouvez pas changer la touche dans le spawn. Vous êtes obligé de lancer une partie. Et vous voyez que pendant qu'on est des pipelettes et qu'on parle, vous voyez le petit truc bleu là, à droite de mon écran, il y a un petit décompte. Et donc, dès que c'est là, on va appuyer, très important, et on va choisir n'importe lequel. Vous avez deux choix. Et donc voilà, activer un renfort, quête accomplie, et accomplir le didacticiel des renforts, quête accomplie. Voilà, deux défis en un, les gars. Hop, et évidemment, accomplir la quête de didacticiel, c'est validé. On a débloqué un écran de chargement. Hop, on attend un petit peu parce que au cas où il y a d'autres défis. Hop, donc voilà, on a fait deux défis, on a fini les quêtes didacticielles, donc c'est très cool. Et on a débloqué le écran de chargement. En faisant toutes les quêtes didacticielles, vous allez avoir l'écran de chargement. Évidemment, des petites étoiles de passe de combat. Et en faisant ça, vous allez débloquer les quêtes adoubées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez au code créateur NSU dans la boutique Fortnite. Ça me ferait très 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 plaisir. Et puis sur ce, ciao les gars, pouce bleu, abonnement, commentaire.